Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment désigner un héritier pour votre compte Liep Limal. Parce que Liep Limal est une entreprise qui va durer au moins 99 ans. Donc, pendant ces 99 ans, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, Liep Limal a pensé à ajouter une option, notamment pour désigner un héritier pour son compte. Parce que beaucoup d'entreprises en ligne proposent des comptes en ligne, mais n'ont pas cette option. Donc, lorsque vous mourrez pour cette entreprise-là, votre argent sera consommé par l'entreprise en question, si vous n'avez pas effectivement gardé vos coordonnées quelque part. Alors que Liep Limal propose une option justement pour garder les coordonnées de votre héritier dans la plateforme, telle que lorsque vous n'êtes pas là, l'entreprise peut restituer le compte à la personne dont vous avez dédié votre compte. Donc voilà la procédure, elle est simple. Une fois que vous êtes dans votre compte comme celui-ci, vous entrez ici, vous voyez cette icône, vous cliquez là, vous allez voir Ownership Transfer. Mais avant tout cela, regardez bien mon solde. Voilà, mon solde est de 193,99 $. Donc, lorsque vous cliquez là, cette page s'ouvrira. Vous mettez le nom de votre héritier, Ramsou Frédéric, comme celui-ci. Vous mettez son mobile, plus 237 696 03 06 31. N'est-ce pas? Vous avez une option, vous choisissez entre monthly, c'est-à-dire par mois c'est 1 dollar, par an c'est 10 dollars. Sur une année à 12 mois, ça veut dire que si vous choisissez cette option, vous allez payer 12 dollars au lieu de 10 dollars par année. Donc, moi, je vous conseille de prendre l'année. Donc, auto-renew, vous êtes actif, vous activez, c'est-à-dire que après un an, l'entreprise va activer automatiquement pour la seconde année. Donc, status, vous mettez actif. Choisissez SMS. Là, vous envoyez. Vous allez recevoir un code de confirmation dans votre SMS, comme celui-ci. Donc, j'attends le code. Voilà, c'est arrivé. C'est instantané. Donc là, je mets le code 4 et W KN8 et je confirme. Une fois confirmé, vous voyez là, j'ai mon héritier. Mon héritier ici, c'est Hamsou Frédéric. Voilà son numéro de téléphone. Type de souscription, j'ai mis hier. Ici, amende, j'ai mis 110 dollars. Donc, toutes les informations que j'ai remplies sont exactes. Il y a ownership active. Donc là, j'ai un héritier tel que lorsque je ne serai pas là demain, l'entreprise va tout simplement appeler cette personne et lui donner mes coordonnées. Donc, je n'ai plus besoin d'enregistrer mes coordonnées quelque part. Ou alors écrit quelque part dans mon agenda en courant un risque que un jour quelqu'un peut tomber sur ça et entrer, avoir accès à mes comptes. Donc, merci pour votre aimable attention et restez scotché pour les prochaines vidéos concernant les updates de l'IEPLIMA.